Soldat perdu.
une lettre de papa. Et que dit votre papa? Il dit que tout ça commence à venir par l'oubliette. En vérité. Parce que si je ne dois pas vous épouser, papa prendrait un autre parti et me dirigerait avec ma dot vers une autre grande duchesse. Ah, rassurez, lecteur, votre père se marie à ce moment. Un jour ou l'autre. C'est que vous me
au milieu. Ah, super. Je battrai la nuit, battrai le chemin. Je le battrai pour vous, pour la grande duchesse, pour mon pays, la nuit, pour la nuit. Bon.
revient. Son Altesse est dans la joie. Thank you.
je suis déjà général en chef. Je peux plus monter en grade. Dans le militaire, peut-être, mais dans le civil. D'abord, vous serez logé au palais. Cela a été décidé ce matin sur proposition du général. Boum. Oui, c'est une idée qui lui est venue sur mon ordre. Pourquoi? Tu ne l'aimes pas? Tu veux que je l'exile? Oh non, non, c'est des histoires de femmes. Des histoires de femmes avec Boum? Oui, et pourquoi pas? Oh, comme elles sont heureuses, les femmes, d'en bas. Quand elles aiment, elles disent... Toi, je t'aime. Oui. Oui. Chez nous, les gens d'en haut, c'est autre chose. Quand nous aimons, nous devons parler à demi-mot, prendre des détours. Tiens, par exemple, à ma cour, il y a une femme qui est folle. Enfin, la personne est puissante. Elle te donnera tout ce que tu voudras. Ton avenir est dans ses mains. Tu vois de qui je veux parler? Encore un mot et je le saurai. Son nom. On ne peut pas le dire, mais s'il n'est pas défendu de le deviner. Thank you.
que je suis sensible. Sans discours, n'a rien de pénible. Et de tout, mon cœur, je m'empresse de lui rendre sa politesse. Est-ce que ça veut dire qu'on a peur que le dîner ne soit pas bon? Pardon? Eh ben, ça veut simplement dire qu'on est déjà invité, c'est tout. C'est tout? Il y a des moments où une femme est heureuse d'avoir un château fort à sa disposition. Madame! Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis désolé de vous déranger, mais voici un message insurgent. Donnez! S'il n'y avait pas Vandamme. Scandale public! Mauvaise tenue du général. Jeune fille nommée Vanda menée par lui à la ville. Oh, il faut savoir un Vanda. Dans un instant, général, je suis à vous. Vous permettez? Je permets. Eh bien, attendez-moi. Suivez-nous, capitaine. Le voici. Il va nous gêner. Ce que nous aurons à vous dire. Général, mes affaires de l'État retiennent son Altesse, mais elle m'a ordonné de vous conduire à votre appartement, dans le pavillon de la droite. Eh bien, allons! Je vais lui dire que finalement, je veux épouser Vanda et l'épouser le plus vite possible. Et maintenant, dans le pavillon de la droite. Messieurs? Monsieur. Allez comprendre. Vous semblez avoir une histoire à me raconter. Une lugubre histoire. Eh bien, racontez-moi. Il s'appelait Max. Il était comte de Zedlitz Calembourg, amant de la grande duchesse Victorine, aïeul de notre grande duchesse. Achevez! Achevez! Oh!
Thank you.
dans ce corridor mystérieux. Faites-les entrer, et si je le juge convenable, je me montrerai. Altesse ! Taisez-vous et faites entrer. Sortez de ce couloir avec profit de l'âme. Lites et noirs dans ce couloir, moins noir que dans vos âmes. Sortez tous de ce couloir. Sortez avec profit de l'âme. Avec profit de l'âme. Avancez, messieurs, et marchez sous mon puits. Avançons, et marchons sans bruit. Rangez-vous là, rangeons-nous là. Thank you.
je ne vois pas. Mais pourquoi voulez-vous éliminer le général Fritz? Parce que je sais. J'ai oublié. Mais vous en pensez quoi, vous? Je ne pense pas, madame. Mais si nous parlions du prince Paul? Oh, oh, tout à l'heure, baron. Mais vous faites quoi là-bas, à la cour de votre maître? Chambellan. Oh, vous auriez mieux chez moi si vous vouliez venir à ma cour. Ça n'est pas possible. Et pourquoi? J'ai des devoirs. Mais si votre Altesse consentait à épouser mon prince... Ah, nous y sommes. Nous n'avons pas parlé d'autre chose. Bien sûr que non. Chut. Bravo, baron, ça c'est la diplomatie. J'ai un peu tout petit. Altesse! C'est vous, messieurs. Ça marche. Oh, mon ami. Vous avez placé vos hommes? Oui, Altesse. Eh bien, allez leur dire qu'ils peuvent rentrer chez eux. Comment? On ne tuera pas. Oh, Bastien. Mais c'est désagréable, on se tue mal. Il n'a pas été brise. Il ne restait que le plaisir. Je dis que l'on ne tuera pas. Tuer un homme le jour où je me marie, cela ne serait pas convenable. Elle l'a dit. Vous l'avez entendu? Elle l'a dit. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Vous l'avez dit, Oui, je l'ai dit. Vous pouvez remercier le baron. Je n'ai pas pu résister à sa conversation. Et ma vengeance? D'accord, pour une petite vengeance, vous trouverez bien quelque chose. Oh! Ugh!
enfin seul. Monsieur le général. Ça fait une différence, n'est-ce pas? Quand on s'attendait à épouser un pauvre soldat et qu'on se retrouve avec un général en chef couronné par la victoire, tu es ébloui à vous. Non. Mais si, si, mais ben si, tu es ébloui, c'est normal, c'est parce que tu vois mon panache, mes décorations, mon manteau. Mais j'en serai bientôt débarrassé. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on est marié femme. Bah oui. Bon, quand on est marié femme, fais comme moi. Oui. Mais tout à l'heure. Mais pourquoi tout à l'heure? Oh, allez, Vanda, sois pas timide. C'est vrai que j'ai un peu peur. Quel idiot je fais? Je suis
Thank you.
Thank you.
nous avons, le général et moi, joué une petite farce. Le général avait depuis 10 ans l'habitude d'aller tous les mardis soirs chez une dame. Oh oui, général ? Oui. Hier mardi, cette dame lui a écrit. Ne venez pas ce soir, mon mari se doute de quelque chose. Il vous attend. Armée ! Cela nous a donné une idée. Mais rigole, oh ! J'ai dit au général Fritz, rendez-vous immédiatement chez cette dame. Mais il y est allé ? Il y est allé ! Mais rigole, oh ! Il a trouvé le mari et sa cave. Bref, une heure pour aller chez la dame, une demi-heure pour se mettre aussi, et 2 heures. Il ne devrait pas tarder. Ah, quoi je me disais. Vous savez, une femme et 3 enfants.
Bientôt quatre, mon prince. Bientôt quatre. Quatre? Baron!